Shalom à vous, bien-aimés, shalom de la part de votre frère, le docteur David Jean Lamutamba. Je suis dans la joie ce jour d'être là devant vous pour vous parler de quelque chose qui me tient à cœur, une si belle nouvelle qui vient de m'arriver et j'aimerais la partager avec vous. Avez-vous entendu parler de la télévision de Casarema? Avez-vous entendu parler de Casarema? Casarema, oui, Casarema, je vous parle de ce fameux Casarema dont vous entendez parler tous les jours. Je vous parle de Casarema, d'où je vous parle maintenant, d'où nous sommes connus, d'où nous avons tissé un lien qui nous rapproche de plus en plus. Effectivement, ce Casarema veut aller encore plus loin. Cette vision de Dieu veut encore s'élargir. Et cette vision nécessite que chacun d'entre vous y participe. Cette vision nécessite beaucoup, beaucoup d'argent. Parce que si nous voulons faire de l'excellence pour Dieu, si nous voulons sortir des petits studios de derrière la maison, des petits studios dans des appartements, si nous voulons faire un travail digne de ce nom, un travail que même ceux qui font ces choses pourront dire « il y a ici de l'excellence », il nous faut investir. Et notre frère ne peut pas le faire seul. À l'instar de Moïse à qui Dieu a révélé le tabernacle, Moïse ne pouvait pas bâtir le tabernacle seul. Il avait besoin que tous y participent. Et aujourd'hui, je voudrais vous interpeller. Où que vous soyez, là, maintenant, je voudrais que cette pensée touche votre cœur, que cette pensée aille au plus profond de vous-même. Il y a un appel à participer à une œuvre de Dieu qui dépasse nos limites, qui dépasse nos églises, qui dépasse nos petits cercles restreints, mais une œuvre qui va au-delà des frontières, qui va dans le monde entier. Une œuvre qui pourra toucher des gens au-delà de ce que vous pouvez penser ou imaginer. Bien-aimés, il nous faut 5 000 euros. Seul, cela peut paraître une montagne infranchissable, mais tous ensemble, nous pouvons le faire. Nous pouvons le faire. Je me souviens à l'époque du président Mobutu qui disait « Le président de la République n'est pas un magicien, seul il ne peut rien faire ». Ce qu'il tient dans ce qui brûle dans ses entrailles. Il nous a montré le sérieux qu'il met à la vision de Dieu. Il veut atteindre un certain but fixé par son Dieu. Il nous a servi pendant toutes ces années. Il nous a apporté plein de choses. Il nous a apporté de la joie. Il nous a fait participer à des événements lointains. Au travers de cet homme, de son équipe, nous avons été au cœur des événements. Au travers de cet homme et de son équipe, nous avons pu avoir des hommes de Dieu entrer dans nos maisons. Pour moi, Casarema est une grande bénédiction. Je vous ai connu et vous m'avez connu grâce à ce merveilleux instrument. Voilà pourquoi je vous interpelle tous, afin que nous puissions ensemble nous mettre en mouvement avec Blaise, avec son équipe, pour que la télévision chrétienne, Casarema, fasse la différence dans le monde. Que nous puissions mettre en place ce studio, tel selon les recommandations du Seigneur, ce studio qui pourra accueillir des événements de toutes catégories. Un studio qui pourra vous servir à vous et vous serez fiers de là où vous êtes, de vous dire, moi aussi, j'y ai participé. Moi aussi, j'ai fait quelque chose. Selon ce que Dieu met dans votre cœur, mais dites-vous, il nous faut ces 155 000 euros pour faire la différence. Seul, ça peut être difficile, mais ensemble, on peut le faire. Et je crois qu'en Christ, nous pouvons être cette équipe qui ne peut pas échouer. Qui ne peut pas échouer. De quelque pays que vous soyez du Congo, que vous soyez des autres pays d'Afrique, que vous soyez en Europe, que vous soyez aux États-Unis, dans les Amériques, en Australie, en Asie, Turquie, peu importe, où que vous soyez, que vous écoutez ce message, je vous pointe du doigt. Casarema a besoin de toi. L'Éternel a besoin de toi. Et sachez ceci. Avec cette promesse, Dieu n'est pas injuste pour oublier les services rendus à ses saints. Lorsque vous donnez, vous entrez dans ce domaine de Dieu qu'on appelle la justice. Et le trône de Dieu est fondé sur la justice. Dieu est juste, il n'oublie pas. La Bible dit donnez et on vous donnera, on vous mesurera avec la mesure dont vous-même vous vous êtes servi. Alors dites-moi, bien-aimé. Maintenant que vous avez entendu ma voix, quel écho l'Esprit fait dans votre cœur? Maintenant que vous avez entendu l'écho de l'Esprit, que décidez-vous?
Levez-vous avec nous et ensemble, bâtissons la télévision chrétienne Casarema. 155 000 euros que vous pourrez, selon la part que Dieu met dans votre cœur, envoyer, nous faire parvenir par un mois et demi à votre convenance. Vous pourrez voir là passer, pendant que je vous parle, le numéro de compte. Vous pourrez faire des virements. Vous pouvez aussi faire des virements via PayPal à cette adresse casarema@live.fr. casarema@live.fr. Vous pourrez nous envoyer vos dons, vos accueils, vos des fonds, toutes choses que vous pouvez nous envoyer, nous le recevrons là, à cette adresse, casarema.live.fr, PayPal. Et je sais que Dieu vous surprendra, car cette œuvre bénit au-delà de ce que nous pouvons penser et même imaginer. Sur ce, je vous salue et recevez cette bénédiction de l'homme de Dieu que je suis. Car si vous obéissez à ma voix, il y a une bénédiction qui s'y attache. Que Dieu voie ce que vous ferez et qu'il vous rende au centuple, qu'il visite votre maison et qu'il accomplisse des merveilles dont vous pourrez témoigner, même à Casarema. Que le Seigneur vous bénisse. Dans le nom de Yeshua, je vous dis à la prochaine. Bâtissons ensemble Casarema. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, mes bien-aimés, aujourd'hui Casarema, c'est plateau télé. Comme vous pouvez le constater, nous avons acquis plus de 220 mètres carrés à exploiter. Ce local va pouvoir accueillir du public, des grandes pointures, des grands hommes de Dieu, des grandes femmes de Dieu avec un message puissant. Nous allons pouvoir organiser des galas, nous allons pouvoir organiser des journées jeunesse, nous allons pouvoir organiser des journées couple, nous allons pouvoir organiser des dîners. Tout cela rien que pour nous, rien que pour vous. Je tiens à souligner que les travaux qui sont engagés sont élevés à une valeur de plus de 155 000 euros. Comme vous pouvez le voir, aujourd'hui, Casarema a fait un bond. Et à cause de ce bond qui a été fait, nous avons besoin que chacun, chaque chrétien autour du monde entier, tous nos frères et sœurs dans les extrémités de la planète, puissent s'unir dans ce projet, puissent s'unir dans l'accomplissement, dans la construction de cette arche. Car aujourd'hui, après Casarema Radio, Casarema Studio, Casarema Web, nous avons Casarema TV. Si vous souhaitez contribuer d'une manière financière, rejoignez-nous sur le casarema@live.fr, PayPal, ou alors sur le compte bancaire qui s'affiche en bas de votre écran. Bâtissons ensemble la télévision Casarema.